Comment avez-vous appris ce qui s'est passé? Vous étiez dans votre maison, c'était la nuit. On dormait avec ma petite fille et celle, notre voisin, ici Francis, qui nous a éveillés et on s'est levé. Et il dit, tu peux bien te bouger parce que tout ça on va. Et bon. Et puis j'ai téléphoné à mon fils, il est monté, puis ma belle-fille est venue. Et on a pris tout ce qu'il y avait, enfin, des vêtements et tout ce qu'il fallait. Et c'est tout. J'avais mon petit-fils qui était ici et qui prenait l'avion, donc on a dû aller le conduire, j'ai dû aller le conduire à Bruxelles. Mais après, voilà. Donc, en gros, c'est le sol qui s'est effondré et la route. Oui, et la maison il y avait déjà le trou avant. Hein, le mercredi, il y avait le trou qui était là. Donc, un trou à cause de quoi? Ben, il y avait une fuite d'eau. Et quand le camion est arrivé, des eaux, il s'est enfoncé carrément dans... Mercredi, ça? Oui, mercredi. Et ils ont réussi à réparer la fuite ou... Oui, mercredi, ils ont réparé. Mm-hmm. Mais ils ne sont plus venus alors. On croyait qu'ils allaient venir reboucher le trou, mais ils ne sont plus venus. Donc... Et comme il a plus seulement, ben voilà. Et ça s'est passé vers quelle heure? Ben, moi, je n'ai rien entendu. Bon, c'est le voisin, mais apparemment, ça coulait déjà hier soir. Donc, ça a vraiment continué toute la nuit comme ça et... Ah oui. Vous l'avez... Parce que, Francis l'a entendu quand il s'est levé, à 3h, et il a téléphoné de suite à la société qui sont venus couper l'eau, mais qui coulait toujours, malgré qu'elle était coupée. Mmh. Par chance, entre guillemets, la maison n'a pas bougé quasiment. Si, le coin. Mmh. Mais sinon. Non, le reste, à l'intérieur, pas. Non. Apparemment, il va aller plus loin. On aurait demandé deux petits bacs à fleurs. Deux petits bacs. Mais t'as un beau grand bac à fleurs maintenant. Une belle haie et tout. Moi, j'étais même pas venu. Je me rendais pas compte.